Teddy, réveille-toi. Allez, viens. Ça va refroidir. Ça va refroidir. Eddie, je vais chercher à manger, je reviens. Essaie de te lever. Chez moi. Je m'appelle Carl. Carl? Où ça? Chez moi. Je t'ai trouvé dans les décombres, inconscient. Chez vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment te sens-tu? Tu es resté longtemps évanoui. Je crois que ça va. Tu es sûr? Parce que sinon, j'ai de quoi te soigner, n'aie pas peur. Heureusement, je passais par là et j'ai bien failli ne pas te voir en plus. Je n'espérais plus trouver un autre survivant, tu sais. Tu es jeune, tu as de la famille quelque part? Dis-moi, que t'est-il arrivé? J'étais dehors, et puis... Ça ne fait rien. Il faut reprendre des forces, je te prépare quelque chose. Non, merci. Mais non, ne t'inquiète pas, il y en a bien assez pour trois, tu verras. Pour trois? Pour moi, toi et Eddie. Nous sommes trois. Eddie? C'est un vieil ami. On habite ensemble depuis... Eddie, viens, on a un invité. Tu vas voir, ils sont délicieux. Et... il va venir? Oui, il est dans sa chambre. Il va pas tarder. Tu sais, nous ne voyons pas grand monde dans le coin. Il devient taciturne ces derniers temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eddie? Bah oui, Eddie. Il va arriver. Carl, ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait longtemps. Et toi, t'as vu personne? Non, j'ai vu personne. Hé, ça lui arrive quand même de sortir? Oui, non. Enfin, il m'accompagne quand ça lui prend. Enfin, d'habitude, quand je rentre, je joue du piano. Il aime bien. Et Eddie, il joue aussi? Il ne m'accompagne jamais. Alors il passe tout son temps dans sa chambre. Il ne fait rien. Si. Non. Enfin... il n'y a que moi qui... Carl. Qui est Eddie? Ben, c'est... Non. Carl. Qui est Eddie? Mm-hmm.
Venez, c'est prêt!